Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre serveur dédié en utilisant Proxmox VE.5. Alors, j'ai déjà installé l'OS. Donc, il y a juste à acheter une IP supplémentaire. Donc là, quand vous réinitialisez votre serveur dédié, vous le tapez ça et vous tapez VPS Proxmox 64 VE.5, celui-ci. Donc après vous en avez plein d'autres. Donc là je ne vais pas vous faire l'installation, c'est pour gagner du temps. Donc là vous achetez une adresse IP supplémentaire qui se trouve ici. Donc moi je vais ajouter une adresse MAC. On va en avoir besoin tout à l'heure. Donc là je vais marquer 2016 parce qu'on va installer un Windows Server 2016. Pendant ce temps-là, on va aller sur Proxmox. Donc là, il va vous envoyer un lien d'adresse email. Donc vous cliquez dessus, vous vous connectez route avec votre mot de passe. Et vous allez dans créer une VM. Là, vous mettez le nom. Donc moi, je vais marquer Windows Win 2016. Donc ça, c'est le numéro de l'ID. L'OS, donc moi, c'est un Windows Server 2016. Donc c'est un Windows. Là, vous prenez le 10 chasse dièse. Vous faites suivant. Donc, comment vous voulez de giga sur votre disque dur? Moi, je vais mettre 120 giga. CPU, je vais mettre 2, 4. Memory, je vais mettre 10, 240 pour avoir 10 gigas de RAM. Et l'adresse MAC qui va vous demander, c'est celle-ci. Donc j'actualise la page parce que ça bug et voilà. Donc là vous avez l'adresse MAC que vous copiez là-dedans. Sans les espaces, ça sera mieux. Voilà. Suivant. Start after create et finished. Donc là, vous allez dans console. Là, j'ai cliqué sur le petit bouton pour le pavé numérique. Comme ça, il n'y aura pas de problème avec les chiffres. J'aurai juste à recliquer dessus. Donc là, donc français exactement. Installation maintenant. Alors, je n'ai pas la clé, parce que je peux vous la montrer. Donc là, vous prenez l'édition 2016 standard. Donc, expérience utilisateur, ça veut dire c'est le, c'est pas avec des fichiers commandes, c'est comme un Windows que vous avez à la maison. Donc là, suivant. Suivant, personnalisé. Là, je vous ai eu, j'ai bien 120 Go. Suivant. Donc là, c'est assez rapide parce que c'est un, comment dire, c'est un disque dur SSD. Donc c'est assez simple à installer aussi. Et ça va se compliquer juste après. Donc jusqu'à là, c'est assez simple. Donc après, je vais vous faire voir comment activer Internet Explorer et comment utiliser le bureau à distance surtout. Et mon tuto numéro 1 sera terminé, il y aura le tuto, la partie numéro 2. Donc je vais vous expliquer comment ouvrir les ports, etc. pour si vous voulez ajouter des jeux vidéo ou quoi. Comme ça, vous aurez accès à la totalité. Donc là, redémarrer maintenant, comme ça on gagne un peu de temps.
Donc là, ça va être la partie la plus compliquée. Je vais installer la connexion Internet. Et avant, on va créer le mot de passe. Alors. Voilà, donc là, clac, vous allez sur le petit onglet juste ici, là, la petite flèche. Vous faites le bouton A et là, CTRL, ALT, SUPRE. Donc là, j'active le pavé numérique et je mets le mot de passe. Voilà. Donc là, vous êtes connecté à votre serveur dédié. Donc on va attendre que le Windows Server se démarre correctement. Donc ça, on n'en aurait pas besoin pour le moment. Donc là, clic droit, ouvrir le réseau au centre de partage, modifier les paramètres, clic droit, propriétés, vous allez dans l'IPv4, et là, utiliser une adresse. Donc là, vous allez marquer l'adresse que vous avez. Donc normalement, c'est 151.80. Non, ça c'est l'adresse, non, c'est celle-ci qu'il va falloir mettre. Donc là, je vais glisser sur le côté pour le marquer, ça va être plus simple. Je retourne sur mon serveur. Et là, vous mettez l'adresse IP que vous avez achetée. Le 151.157. Donc là, l'adresse IP sous réseau, c'est tout le temps 255. Et là, vous allez mettre la même adresse IP, sauf le tout dernier. Il faut mettre 254 à la place. 98.251.254. Et là, je vais marquer le DNS de Google. .4.4. Voilà. Donc là, vous allez mettre valider les paramètres en quittant. Je vérifie que tout est bon. Voilà. Vous faites OK. Et là, il va vous demander de faire oui. Voilà. Donc là, vous faites oui, impératif. Et là, vous avez la connexion Internet. Et là, vous allez dans gestionnaire de serveur. Serveur local. Donc là, bureau à distance, vous allez l'activer. Et le plus important, parce que c'est super chiant, configurer, sécuriser, renforcer Internet Explorer, où là, vous allez désactiver. En tant qu'administrateur. Donc là, c'est bon. Là, vous allez pouvoir aller sur Internet normal. Ne plus afficher. OK. Là, vous allez télécharger, admettons, Google Chrome. Donc là, moi, je vais le quitter. Et je vais me connecter avec le bureau à distance. Bon, là, normalement, j'ai déjà mis le mot de passe parce que j'ai mis le même qu'avant. Donc normalement, je peux me connecter directement. Se connecter. Ah, du coup, j'ai pas besoin de le reconfigurer. Ça, c'est cool. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça fonctionne.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao.